Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur la chaîne Rivano Gomez TV. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui est un sujet pour moi très crucial et très important, qui est vraiment d'actualité parce que voilà, il y a un conflit sur la toile entre deux hommes de Dieu. Et en tant que chrétien, je me suis dit, il fallait que je fasse une vidéo là-dessus pour essayer de sensibiliser à la morale, sensibiliser au bon comportement, surtout au comportement exemplaire. Et comment est-ce qu'en fait on devait se comporter en tant que chrétien, comment est-ce qu'on devait, quelle devait être notre attitude, parce que nous savons tous que le chrétien est, on va dire, le modèle ou l'exemple. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de commenter, voilà, de laisser tes impressions en commentaire. Ça permet à la chaîne de grandir et à la communauté d'évoluer. Voilà. Et donc, le conflit dont je voudrais te parler, c'est le conflit qui oppose l'abbé Kanda et le pasteur Marcelo Tonazzi. Je pense que pour ceux qui regardent constamment les vidéos sur YouTube connaissent que actuellement il y a un conflit entre les deux. Alors, voici ce que le pasteur Marcelo a dit. Jésus n'est pas apparu à sa maman le jour de la résurrection, mais il est apparu à une autre Marie qui était un disciple plus élevé même que Marie, sa mère. Parce que tu peux m'enfanter, mais quelqu'un d'autre croise en moi plus qu'en toi. Vous êtes là, où est ma mère? Vous êtes là, où est mon père? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de... Et ça, c'est juste dommage. Ça, c'est juste déplorable de constater cela. Je ne sais pas si beaucoup de gens se rendent compte, mais moi, personnellement, j'aurais été dans cette église, j'aurais posé la question au pasteur, que pasteur, dites-moi, est-ce que ça signifie quoi? Que tous ceux qui sont dans d'autres églises ou dans l'église catholique sont automatiquement les condamnés et que nous qui sommes ici, nous sommes déjà d'emblée sauvés? Ce serait ça la belle question. Et donc, vous voyez, et quand tu écoutes ça, tu te rends compte d'un fait. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi qui ai grandi dans le monde, dans le milieu ecclésiastique, je sais que, voilà, il y a deux tendances. Il y a la tendance des églises éveillées, il y a l'autre tendance des églises catholiques. Et si vous voulez, la tendance a toujours été au mépris de l'église catholique par les églises dites éveillées, qui prétendent que, voilà, l'église catholique est une église, c'est pas la peine, c'est du n'importe quoi, et que ce serait directement l'antichambre des enfers. Mais par contre, lorsqu'on regarde l'attitude, le comportement et la manière de se comporter surtout, on se rend compte d'un fait, c'est qu'en réalité, nous sommes tous des êtres humains, tous sujets aux erreurs, tous sujets on va dire, à l'humanité de façon globale, et qu'en réalité, il serait un peu absurde pour un être humain de traiter l'autre de perdu ou de quelqu'un de déjà damné. Voilà. Or, c'est l'attitude principalement qu'ont les églises éveillées. Et je crois que ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça démontre à quel point on a un vrai souci, un réel souci sur la compréhension de la Bible en elle-même, déjà au départ, et surtout sur la position ou l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis de notre prochain. Parce que si tu veux le véritable message, quel est le message central de la Bible en fait? Quelle est l'éthique principale de la Bible? Quel est, si tu veux, le message fondateur même du christianisme? Ben, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Et dans cette même Bible, il est dit que l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour n'est point envieux, l'amour ne s'irrite pas, l'amour n'insulte pas. Mais on se rend compte que les mêmes personnes qui prétendent être dans la lumière, les mêmes personnes qui prétendent être éclairées, ce sont ces mêmes personnes-là qui affichent vis-à-vis des personnes qui, entre guillemets pour eux, sont des personnes condamnées, une attitude vraiment négative, une attitude qui ne laisse pas vraiment faire penser que ce sont des personnes qui sont des personnes sauvées. Et là, si tu veux, ça pose un grand problème. Ça pose un grand problème parce que déjà, ça montre que dans les églises éveillées, la plupart, ce ne sont pas des gens qui lisent. Ça, c'est le premier fait.
et que ce ne sont pas des gens qui ont appris à se servir de leur propre entendement pour analyser les choses et pour pouvoir tirer des conclusions, mais que ce sont plutôt des personnes qui sont dans une sorte de système de béni oui-oui. C'est-à-dire que dès que le pasteur a dit quelque chose, cette chose est considérée comme argent comptant, cette chose est considérée comme étant l'absolu, et on s'exécute. Et pour moi, personnellement, l'église, les églises éveillées, ce sont beaucoup plus des systèmes, ce sont des business en fait. Ce sont des business dans lesquels voilà, les pasteurs s'enrichissent et la majorité devient pauvre. Voilà. Et donc, ce n'est pas différent en réalité quand tu regardes bien des systèmes politiques actuels. Ce n'est pas différent du capitalisme, ce n'est pas différent du néolibéralisme. Pourquoi? Parce qu'à l'église, quand tu vas, moi je suis chrétien, je sais ce que je dis et je suis chrétien pratiquant. Mon propos n'a rien à voir avec le fait que je sois plus chrétien ou que je... Non. Je suis toujours chrétien. Mais, si tu veux, avec toutes les expériences que j'ai vécues, avec tout ce que j'ai vécu dans le background, j'ai appris à me servir de mon propre entendement et d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire aller à l'église pour adorer mon Dieu tranquillement et ne pas me mêler de tout ce qui se passe comme interprétation que les gens font ou comme apport extérieur par rapport à la vérité de l'évangile. Voilà. Et donc, de façon globale, aujourd'hui, quand on essaie de jeter vraiment un regard là-dessus, on se rend compte que les gens n'y vont pas pour comprendre la parole de Dieu. Les gens n'y vont pas pour faire de leur christianisme un art de vivre, parce qu'au-delà de tout, le christianisme est un art de vivre. Le christianisme, c'est une morale. Le christianisme, c'est une éthique. Le christianisme, c'est la loi suprême de la vie. Donc, du coup, quand vous voyez un homme de Dieu qui est censé être l'incarnation même de la sagesse, l'incarnation même de la raison, l'incarnation même de l'entendement positif, l'incarnation même par-dessus tout de l'amour, alors qui tient des propos de ce genre envers d'autres fidèles, parce que ces fidèles ne seraient pas de son assemblée ou de la même tendance religieuse que lui, alors ça pose un véritable problème. Ça montre qu'en réalité, nous sommes des personnes qui voudrions imposer un système voulu par nous aux autres. Ça ramène à beaucoup de préoccupations qui font que aujourd'hui on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que réellement les églises dans lesquelles on va sont réellement des endroits où on est censé recevoir le salut, où on reçoit le salut. Ça, c'est une grande question. Par contre, nous nous sommes moqués longtemps. Quand je dis nous, je parle des églises éveillées parce que je sais que je suis de cette tendance-là. Nous nous sommes longtemps moqués des églises catholiques en disant qu'ils étaient l'antichambre des enfers, en disant qu'ils n'avaient pas de révélation, en disant qu'ils n'ont rien compris à la Bible. Mais par contre, écoutez ce que le pasteur Kanda a répondu à Marcel. Et jugez par vous-même qui des deux est réellement proche de la vérité. Vous avez dit salle d'attente. J'ai seulement deux points. L'hôpital de Jésus, et deuxième point, le pavillon le plus problématique. Je considère que l'église, le monde, c'est l'hôpital de Jésus. Mais dans cet hôpital, il y a un pavillon, le pavillon de fous. Alors, chaque chrétien doit se poser la question, si je suis à l'hôpital de Jésus, toi tu es dans quel pavillon? Et dans le pavillon des fous là, il y a des névrosés et des psychotiques. Les névrosés sont conscients de leur folie. Les psychotiques ne sont même pas conscients de leur folie. C'est les plus malades. C'est la haine des gens de la compassion. Et lui-même là, il est le premier à traiter les autres pasteurs de féticheurs, d'occultistes. C'est dans les églises de réveil. Il y a des occultistes d'après lui. Tous ceux qui font les plaints, plus de plaints que lui sont occultistes. Amen. Amen. Et vous allez vous faire des problèmes pour un homme pareil. C'est un homme pour qui il faut prier. Prier pour lui. Il est malade. Notre frère est malade. Notre frère est malade. Prions pour lui. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints. Il y a des noms qui ne convient même pas de prononcer. Éphésiens 5, 3.
C'est la Bible. Ça, parce que ce qu'on dit là, c'est de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité. Alors ne prononçons pas leur nom au milieu de nous comme il convient à des saints. Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente, et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que toute l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique. Même l'enfer, c'est pas biblique. L'enfer n'est pas biblique. Le terme enfer, la Bible utilise le mot Géhenne, Sheol, etc. Mais l'enfer, c'est catholique. Il est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Si quelqu'un prêche l'évangile en vérité, il doit prêcher ses paroles dans toutes les églises. Ce n'est pas la majorité qui sera sauvée. Dans toutes les églises, il y a toujours une minorité, un petit reste. Dans toutes les églises, la grande partie suit toujours le large chemin. Il n'y a qu'un petit reste qui suit le vrai chemin. Et nous connaissons l'histoire. Au temps de Noé, combien de personnes furent sauvées? 8. Au temps de Sodome et Gomorre, combien de personnes furent sauvées? Si on prend la famille de Lot, 3. Lot, ses deux filles, sa femme est devenue colonne de sel. Mais quand vous dites toi à vos fidèles que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, ils se considèrent eux comme étant au ciel. Ils se disent, donc nous ici, nous sommes déjà au ciel, ou nous sommes dans la salle d'attente du ciel. Or, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la Bible, Matthieu 22, 14. Il y a un seul pavillon à problème, c'est le pavillon des morgueurs. Les papillons, et en français c'est bien, la morgue, c'est cette unité où on conserve les cadavres avant leur enterrement. Mais c'est aussi l'orgueil. Un homme plein de morgue, c'est-à-dire un homme plein d'orgueil. Paul qui a dit ça, qui a dit qu'il a combattu le bon combat, qui a achevé sa course, dit encore, dit aussi. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais Pierre ajoute que, mais si le juste se sauve à peine, se sauve avec mille difficultés, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? C'est une remise en question. Que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, que vous soyez de quelle église, vous devez travailler, comme le dit saint Paul, avec crainte et tremblement à votre salut. Il n'y a personne qui devant Dieu peut dire, de par mes propres forces, je puis payer le ciel. Le ciel est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Avec quoi payeras-tu le ciel? Parce que tu es dans telle communauté et tu n'es pas dans telle autre. C'est ça qui te donne le droit d'entrer au ciel? Parce que tu fais ceci et que tu ne fais pas cela? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et si c'est la grâce, nous ne pouvons que y croire. Et l'espérer, l'attendre. Nous ne pouvons pas être prétentieux. Dans la grâce, il n'y a pas de prétention. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Le salut est un don. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié, j'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Parce que qu'est-ce qu'on vous prêche? Qu'est-ce qu'on vous prêche? Isaïe 64, 6?
On vous dit ça? J'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Dans une église, lorsqu'on dit, on parle aux filles, vous sortez avec les maris d'autrui, c'est qu'il y a des filles de vergondées à la compassion. Parce que cet enseignement-là n'est pas donné dans une église catholique. Suivez tous les enseignements de ces pasteurs-là, vous trouverez qu'ils condamnent le mal parlant ces fidèles. Parlant ces chrétiens de la compassion, il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il ira à la discipline. Il sera sanctionné. Il ne parlait pas aux catholiques. Ce n'était pas dans une église catholique. Donc, à la compassion, il y a des pécheurs. À la compassion, il y a des malades, comme il y en a chez les catholiques. Nous sommes tous les chrétiens, nous sommes des malades. Et nous avons besoin du docteur Jésus. Psychotique. Des gens qui sont malades, mais qui sont dans le déni de la maladie. Nous ne sommes pas malades. Jésus dit, je suis venu chercher les malades. Mais ils disent, nous ne sommes pas des malades. Vous êtes des psychotiques, des malades inconscients. Et c'est ainsi. Et vous devez comprendre la barbe. Parce que quand quelqu'un devient fou, la première chose qu'il laisse, c'est la barbe. Les vrais fous. Se moquent des gens normaux. Ils nous trouvent, nous, fous. Toi, tu es la gynécologie. Il va à la gynécologie. Mais toi, tu es la psychiatrie. Et quelle psychiatrie? Si tu es du côté des névrosés, on peut comprendre. Ceux qui ne reconnaissent pas leur folie, les psychotiques là, les psychosés. Nous, nous sommes quand même, même s'il y a des catholiques fous, ils sont chez les névrosés. Et dans le monde des fous là, il y a toujours des histoires qui font rire. On dit qu'il y avait deux fous. Hein? Donc, deux fous qui étaient très fous. Alors, on les soigne. Alors, on fait test. On va voir s'ils sont guéris. Alors, on met une piscine sans eau. On demande au premier. Saute, il y a de l'eau. Il saute dans l'eau. Mais il n'y avait pas d'eau. Il se blesse. Au deuxième, on demande, saute. Il refuse de sauter. Alors, on croit qu'il est guéri. On lui demande après, pourquoi tu n'as pas sauté? Il dit, l'eau était sale. Il est plus fou que le premier. Le premier croit qu'il y a de l'eau. Mais lui croit que l'eau est sale. Il a un plus. Donc, bien-aimés, catholiques, ne vous en faites pas. C'est lui qui traite votre église d'être la salle d'attente de l'enfer. Suivez ses propres enseignements. Il s'adresse à ses propres fidèles et il leur dit des choses. Quand il parle de la haine dans son assemblée, ce n'est pas la haine des catholiques. Amen. Si nous, nous sommes dans la salle d'attente de l'enfer, dans le vestibule de l'enfer, vous, vous êtes déjà en plein enfer. Notez ça. Partagez. Notre frère Emma. Tu n'as pas le monopole de la folie. Mais nous, nous sommes des fous, mais dans la névrose. Nous sommes peut-être dans la névrose. Mais toi, tu es dans la psychose. Parce que nous, nous sommes conscients. Voilà que j'ai dit ça et je me suis même excusé. Chers catholiques, je m'excuse. Je n'aurais pas dû dire ça, mais j'y ai été contraint. 2 Corinthiens 12, 11. Proverbe 26, 12. Lisez, je termine par là. Proverbe 26, 12. Si tu crois un homme qui se croit sage, comme ce pasteur-là se prend pour un sage, il faut même espérer plus d'un fou que de lui. Donc, à la fin de cette vidéo, moi, je ne voudrais pas influencer le jugement de qui que ce soit. Je ne voudrais pas inciter qui que ce soit à prononcer un quelconque discours. Par contre, ce que j'aimerais, c'est amener mes frères et sœurs à avoir un jugement critique vis-à-vis de soi-même avant de pouvoir s'étendre chez les autres. C'est-à-dire qu'avant que tu ne juges le comportement de l'autre, avant que tu ne juges la vie chrétienne de l'autre, avant que tu ne juges le christianisme de l'autre, juge-toi d'abord toi-même. Prends du temps pour faire une autocritique sur toi. Et analyse si vraiment tu es dans le vrai. Analyse si vraiment tu es dans la vérité, dans le concret. Parce que le plus important à la fin, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'aller tout le temps à l'église. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une obédience quelconque. Non. Mais c'est la vie qui
qui est en toi, la vie que tu dégages, l'exemplarité que tu offres et l'être que tu es devenu à l'issue de tout ce que tu as appris. Voilà la chose qui compte. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une quelconque église, être capable d'apporter quelque chose de bénéfique à la communauté. Moi, je pense pour ma part que c'est ce qui est important dans le christianisme aujourd'hui. Mais dommage, c'est vraiment dommage qu'on puisse tomber à ce niveau. Et quand vous constatez que ce sont des gens qui sont très regardés sur les réseaux sociaux et des personnes qui prétendument sont des très bons hommes de Dieu, et quand vous vous rendez compte de ça, vous tombez les nues, quoi. C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'heure est vraiment au business. Et je crois qu'avec cette pandémie, avec tout ce qu'il y a eu comme restrictions, on a beaucoup plus découvert le côté négatif de certains hommes de Dieu prétendus. Cela nous a permis d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui continuent toujours à rester dans l'ignorance et dans l'occulte de la personnalité. Et si tu veux l'occulte de la personne, et voilà, c'est juste désolant de l'apprendre. Mais moi je pense pour ma part que la réponse du pasteur Kanda a été de l'abbé Kanda a été une réponse bien placée. Et pour moi, je pense qu'à l'avenir, Marcelo Tounazi prendra le temps de bien réfléchir avant de s'attaquer. Parce que l'autre, il a promis, il a dit, si chaque fois qu'ils vont faire cette sortie, nous aussi désormais on va répondre. Et il le fait pourquoi? Mais pas pour s'opposer à un homme, non, mais c'est simplement pour montrer qu'en réalité, on ne devait pas s'attarder sur des choses de ce genre. Et comme les gens se sont lancés dans une guerre où il faut attaquer pour discréditer, il faut attaquer pour discriminer, il faut attaquer pour porter atteinte, alors il faut quelqu'un aussi pour répondre. Et donc là, moi je pense pour ma part que c'est une très bonne chose. Parce qu'on doit arrêter à un moment donné à faire penser aux gens que voilà, c'est tel côté qui est bon, à tort ou à travers. C'est tel côté qui est bon et tel autre côté est mauvais. Il n'y a pas d'église qui soit un exemple sur la terre. Il n'y a pas une seule église qui soit déjà sauvée. Il n'y a pas un seul individu qui soit déjà sauvé. Tous, autant que nous sommes, nous courons et nous tâchons de nous battre pour obtenir notre salut. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'attends vos impressions, j'attends vos avis. Laissez vos avis dans les commentaires et donnez-moi votre point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être nous en reviendrons. Alors je vous dis ciao ciao et à bientôt.